Rejoignez la tour de prière Summer TV. Un cri de libération pour ma famille. Un ouragan de prière puissant pour la libération des familles avec la prophétesse Frida et le pasteur Bienvenu Manzioni. Rejoignez la tour de prière Summer TV. Un cri de libération pour ma famille. Un ouragan de prière puissant pour la libération des familles avec la prophétesse Frida et le pasteur Bienvenu Manzioni. Bien que l'impact et l'émission de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Ceci vous est présenté par la tour de prière Summer. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la tour de prière Summer. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la tour de prière Summer. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la tour de prière Summer. Que Dieu vous bénisse. Chante Alléluia. Je dis que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans ma vie. Alléluia. Mon âme chante ce chant. Alléluia. Mon âme chante Alléluia. Hosanna, Hosanna. Moi je chante Alléluia. Alléluia. Chante avec moi Alléluia. Alléluia. Mon ami chante avec moi Alléluia. Alléluia. Chantant Hosanna. Alléluia.
Shalom, 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 bien-aimés, shalom, shalom, la grande famille internationale. Shalom à vous, peuple de Dieu, que la grâce, que la paix du Seigneur vous soit accordée ce matin et que la faveur divine et que la sécurité divine aussi puisse frapper dans votre porte ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons réellement recommander cette journée entre les mains du Seigneur et que la sécurité divine soit notre partage dans cette journée qui commence, et que notre famille, et que nos enfants, et que toute la famille soit dans la sécurité divine, et que nous soyons protégés, et que nous soyons en sécurité totale. Amen. En sécurité contre le mal, contre les accidents, contre les imprévus démoniaques, sataniques, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Que vous soyez bénis ce matin au nom de Jésus.
Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et je proclame la sécurité divine soit votre partage. La sécurité de Dieu puisse réellement s'engager dans votre vie, dans votre travail, dans votre domaine du travail, dans votre état spirituel, dans votre état physique au nom de Jésus. Gloire à Dieu, je vais prier le Seigneur et je vais recommander ce temps de prière entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu favorable, éternel Dieu tout-puissant, éternel merveilleux sauveur, que ton nom soit béni ce matin, ô Dieu. Merci parce que ce matin encore, tu nous donnes la grâce. Tu nous donnes le privilège, Seigneur, de s'approcher à ton trône de gloire, enfin, Seigneur, d'obtenir miséricorde et de trouver grâce à tes yeux. Ce matin encore, Seigneur, merci de nous avoir accordé, Seigneur, ce temps, ce privilège, le souffle nouveau, le souffle de vie, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, ô Dieu. Nous te disons merci, Père, parce que tu as veillé. Merci, Seigneur, parce que tu ne sommeilles ni ne dors, parce que c'est toi qui gardes nos vies. C'est toi qui nous protèges, Seigneur, de tout mal. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Voici, Seigneur, ô Dieu, nos assiettes. Voici, Seigneur, de quoi, Père, notre demande. Voici, Seigneur, notre désir. Voici, Seigneur, notre souhait de que ton nom soit glorifié davantage et que ton nom soit béni dans notre famille et que ton nom soit béni dans nos activités et que ton nom soit béni à cette heure. Oui, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous te disons, Seigneur, louange et célébration à ton nom, Seigneur, car c'est toi qui nous donne la force santé, car c'est toi qui nous donne la grâce de pouvoir encore être dans la liste, sur la liste de vivants. Que ton nom soit béni. Béni soit ton nom, Seigneur, car en toi, Seigneur, nous avons la vie. En toi, nous avons la respiration divine. En toi, nous avons, Seigneur, le pouvoir. En toi, nous avons, Seigneur, de gloire, la capacité. Ô Dieu, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Alors que nous voulons, Seigneur, commencer ces temps de prière, je prie, Seigneur, de gloire, Père, déploie ta puissance. Déploie ton énergie, Seigneur, spirituelle. Déploie, Seigneur, ta sécurité divine. Déploie, Seigneur, de gloire, Père, ta grandeur au milieu de nous, Seigneur, enfin que nous soyons fortifiés, édifiés, boostés, Seigneur, propulsés dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons si prié et que le Saint-Esprit domine et règne en maître, en autorité pour ce temps merveilleux. Béni soit ton nom, car c'est toi qui nous renouvelle notre force et nous prenons la Seigneur, l'envol comme l'aigle et nous courons sans se lasser. Que ton nom soit béni encore. Merci, tendre Père, de ce que, Seigneur, tu enlèves, Seigneur, Dieu, l'obscurité. Tu chasses, Seigneur, de gloire, Père, les ténèbres et tu ramènes ta lumière dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants. À toi soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Nous t'avons si prié avec action de grâce. Nous disons tous Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur des armées. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, que la paix du Seigneur soit votre partage dans le nom de Jésus. La paix du Seigneur, c'est le shalom de Dieu, la bonté de l'Éternel, la grâce de Dieu, la victoire, la guérison, la restauration, la vitalité de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons aborder ce sujet de prière. Alléluia. À ce qui concerne la sécurité divine, et que tu sois dans la sécurité divine ce matin. La sécurité divine peut engendrer réellement la protection, peut engendrer réellement la victoire aussi dans ta vie. Quand Dieu te protège, il te protège de tout mal, il te protège de toute calamité, il te protège contre, voilà, il te protège réellement contre les accidents, il te protège contre les attaques démoniaques, les attaques invisibles et les attaques visibles. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbes. Proverbes chapitre 10. Proverbes chapitre 10 au verset 9. Proverbes chapitre 10 au verset 9. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans le livre des Proverbes, chapitre 10, au verset 9. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas mis sur l'écran. Proverbes 10. Gloire à Dieu. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia.
gloire, louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Gloire au Seigneur, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbe 10, au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors la parole de Dieu déclare ceci. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Je répète encore, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci Seigneur oh Dieu de ce que tu nous montres, Seigneur. C'est toi qui es notre assurance. C'est toi qui es notre sécurité, c'est toi qui es notre protection. Béni soit ton nom, au nom de Jésus, notre Seigneur, nous t'avons si prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans ce passage que nous venons de lire, la Bible déclare, c'est lui, maman, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux écrire ce verset? Tu peux taper ce verset qui dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance ou marche avec sécurité. J'aimerais bien qu'on puisse écrire ces versets. C'est très important. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, même la modératrice, tu peux écrire ces versets. Voilà. Donc ici, nous voyons que la Bible va dire, celui va donner l'accès à quiconque. Que celui qui marche dans l'intégrité, il va vivre réellement l'assurance, la protection, la sécurité dans sa vie. Frères et sœurs, pour que tu sois dans la sécurité totale, il te faut d'abord que tu puisses faire ta part. Tu dois faire ta part ce matin. Tu dois faire ta part aujourd'hui pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses marcher dans la sécurité, pour que tu puisses avoir la sécurité, c'est-à-dire pour que tu puisses avoir des anges, des anges du ciel, des anges pour t'escorter. Il te faut l'intégrité. L'intégrité est égale à la sécurité divine. L'intégrité est égale à sécurité divine. L'intégrité est égale à assurance divine. Alléluia. L'intégrité est égale à sécurité divine. Ce matin, frères et sœurs, tu dois pouvoir demander. Il faut que tu sois en fait dans l'intégrité. Quand tu es intègre, quand tu marches dans la voie du Seigneur, Dieu préserve ta vie. Dieu couvre ta vie. Dieu te donne l'assurance. Dieu te donne la protection. Oui, frères et sœurs. Quand tu marches dans l'intégrité, l'Éternel ramène l'assurance. Dans notre version, il dit, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. En sécurité. Mais celui qui emprunte de voies tortueuses sera découvert. Amen. Frères et sœurs, ce matin, nous voulons tous vivre la sécurité de Dieu, car la sécurité de Dieu ramène l'assurance. Ramène l'assurance, c'est-à-dire, il y aura la protection, l'assurance pour ta vie, c'est-à-dire, tu es couvert. Et celui qui n'est pas dans l'intégrité, il est découvert, c'est-à-dire, il ne peut pas vivre la protection de Dieu. Il ne peut pas vivre l'assurance ou la sécurité de Dieu. Alors ce matin, frères et sœurs, je t'en prie dans le nom de Jésus, par l'amour du Seigneur, et que tu puisses vivre l'intégrité. C'est-à-dire, sois intègre dans tes voies, sois intègre dans ta marche, sois intègre. Au fait, c'est du donnant-donnant.
Quand tu donnes à Dieu, Dieu aussi te donne. Alléluia. Quand tu dis que non, mon corps appartient à l'Éternel. Mon corps appartient à Dieu. Mon corps appartient au Saint-Esprit. Ma vie appartient à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, et cette vie-là, ça sera maintenant protégé par Dieu. Parce que maintenant, c'est le domaine de Dieu. Maintenant, ça sera l'habitation de Dieu. Amen. Alors, ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, peut-être tu n'arrives pas à marcher dans l'intégrité à cause d'un souci, à cause d'un problème, à cause d'une situation quelconque. Mais bien-aimé dans le Seigneur, essaye ce matin de marcher dans l'intégrité et tu verras la sécurité de Dieu dans ta marche. Amen, amen, amen. Alléluia. Et quand une maison, le papa ou la maman, ils s'attendent pas et les enfants sont encore dans le bas âge, frères et sœurs, vous allez comprendre, vous allez voir, la plupart des cas, les enfants vont être peut-être malades, les enfants vont être attaqués. Pourquoi? Parce que la maison n'est pas sécurisée. La maison est en découvert. La maison est libre. C'est-à-dire, il y a plusieurs accès. Le mal peut rentrer à tout moment. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand quelqu'un marche dans l'intégrité ou quand un couple qui sont réellement unis dans l'amour parfait, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de fraude, mais bien aimé dans le Seigneur, cette famille, ce couple est protégé dorénavant par Dieu. Amen. Alors ce matin, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur, mais Dieu demande notre intégrité d'abord. Que tu sois intègre. Mais bien aimé dans le Seigneur, la plupart des cas, le corps, la chair n'aime pas les choses de Dieu. La chair n'aime pas l'intégrité. Quand on parle de l'intégrité, la chair est fâchée. Quand on parle de l'intégrité, la chair est fâchée. La chair n'est pas à l'aise. La chair se monte dans l'orgueil. Il veut pas écouter la voix du Seigneur. Il veut pas écouter. Et vous allez remarquer, quand on parle de la sainteté, de l'intégrité, de la vie agréable vis-à-vis de Dieu, de l'intégrité, alors il y a pas beaucoup de gens qui aiment ces thèmes. Les gens plus aiment réellement des choses qui leur fassent du bien, c'est-à-dire qui le font du bien, c'est-à-dire le miracle, la bénédiction, ça, ces moments-là, ils aiment bien ça. Mais quand tu ne marches pas dans l'intégrité, même la bénédiction, ça sera difficile pour avoir. Tu peux aussi travailler, tu peux aussi avoir un bon salaire, mais comme l'intégrité n'est pas là, comme le péché est là, et tu vas voir, il y aura des dépenses inutiles, et à un moment donné, il n'y aura rien dans les mains. Alors ce matin, nous allons prier le Seigneur que les familles, que tes enfants soient dans la sécurité divine. Alors ça commence par toi et que tu sois intègre pour que ta famille, pour que tes enfants, pour que tes affaires soient dans l'assurance absolue, soient réellement dans la protection, alléluia, de Dieu. Amen. Dieu demande notre intégrité. Il nous demande simplement notre intégrité. C'est comme aujourd'hui. Tu vas aller au stade, je peux donner l'exemple comme ça, typique. Tu vas aller au stade, mais tu dois pouvoir acheter ton billet. Tu dois avoir le billet pour que tu puisses avoir l'accès dans au stade. Ou alors tu vas aller dans un musée. Tu dois pouvoir acheter le billet. Il faut que ton nom soit réellement dans la liste de gens qui vont visiter la musée. S'il s'agit donc d'une liste. C'est pour dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande l'intégrité. L'intégrité, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est là qui engendre la sécurité divine, c'est là qui engendre l'assurance divine, c'est là qui engendre la bénédiction, la protection dans ta marche. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu qui va faire en sorte que tu puisses avoir de la sécurité dans ta marche. C'est l'Éternel Dieu qui va faire en sorte que tu puisses avoir la victoire dans tes voies au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et la Bible va dire dans Ésaïe 26 au verset 3, « À celui qui est ferme dans ses intentions,
tu assures une paix profonde parce qu'il s'est confié en toi. C'est-à-dire qu'il s'est confié en Dieu. Amen, amen, amen. Et la Bible va dire que l'Éternel Dieu va protéger ta vie. L'Éternel Dieu va ramener l'assurance dans ta maison. Dieu demande que nous soyons intègres. Sois intègre vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, je suis intègre même dans des petites choses. Je ne cède pas au mal. Je ne cède pas à la colère. Je ne cède pas à la calamité. Je ne cède pas aux choses du monde. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons prier le Seigneur que l'intégrité soit notre partage. Dès lors, nous avons l'intégrité en nous, automatiquement la protection divine est assurée. La sécurité de Dieu est assurée. L'assurance de Dieu est assurée. La ceinture de la protection nous est donnée au nom de Jésus. Alléluia. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous allons prier le Seigneur, car le Seigneur Dieu qui connaît toutes choses, alléluia, quand tu dors, quand tu t'élèves, quand tu marches, il n'y a que le seul Dieu qui te donne la sécurité dans ta demeure. Amen, amen, alléluia. Ce passage que nous avons lu la fois passée, quand je m'endors, quand je me couche, quand je m'endors en paix, car c'est toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intégrité. Quand tu es intègre, à ce moment-là, l'Éternel Dieu va te protéger. Amen, amen. Quand tu dors, quand tu te couches, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ramène la sécurité et la sécurité engendre la paix. La paix engendre l'assurance. L'assurance engendre la protection. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et que ta vie soit dans la sécurité de Dieu. Ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu demandes faveur à l'Éternel, l'Éternel va t'accorder cette faveur. Ce n'est pas difficile. Amen. Ce n'est pas difficile. Quand tu demandes pardon à Dieu, quand tu abandonnes le péché, quand tu veux maintenant faire du bien, c'est à ce moment l'Éternel vient pour te donner sa sécurité. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu que la sécurité divine soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Dans cette journée qui commence et que tu sois dans la sécurité. Frères et sœurs, tu peux prendre ta voiture qui était dans le contrôle technique et c'est bien sorti ou tu as acheté ta voiture tout neuf avec des sachets, tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, si l'Éternel n'est pas là, si la sécurité n'est pas là, la sécurité de Dieu n'est pas là, mes bien-aimés, lorsque tu vas prendre la voiture va faire des problèmes. Ou peut-être il y a quelque chose, ils avaient oublié d'arranger le frein, ils avaient oublié d'arranger le mécanisme de la voiture. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. Amen. Nous devons associer Dieu dans notre famille. Nous devons associer Dieu dans notre foyer. Nous devons associer Dieu dans notre marche, dans notre vie quotidienne. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hosanna, hosanna. Amen, amen. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Et puis nous allons terminer, nous allons partir pour aller au travail. Que le Seigneur soit béni. Si vous pouvez aimer la vidéo, si vous pouvez aussi partager, c'est très important de partager la vidéo pour donner l'opportunité à une autre personne de pouvoir bénéficier de cet privilège, de cette faveur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On est là, ça fait longtemps que tu t'es connecté. Ça fait très, très longtemps. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Sois intègre dans de petites choses. N'abandonne pas la voie de Dieu. Amen. Et l'Éternel fera réellement ta vie une vie glorieuse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Tous ensemble, nous allons élever nos voix. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons adorer ce Dieu merveilleux qui nous donne, qui nous tend la main ce matin, la main de sa sécurité. Tu vas simplement dire, Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu m'étends la main de la sécurité dans ma famille, dans ma vie, dans mon foyer.
au nom de Jésus. Commence à prier ce matin. C'est toi maintenant qui vas prier. C'est toi maintenant qui vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu m'étends la main de la sécurité. Dieu te tend la main de la sécurité. Dieu te tend la main de la protection. Dieu te tend la main de l'assurance. Au nom de Jésus. Alléluia. Commencez à prier ce matin. Commence à prier. Élève ta voix ce matin et prie à l'Éternel. Commence à glorifier le Seigneur. Sois reconnaissant dans de petites choses. Sois reconnaissant dans des choses que tu n'as pas encore vues. Sois reconnaissant dans ce que l'Éternel va faire dans ta vie. Commence à élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu m'étends la main de la sécurité. Au nom de Jésus, je te loue ce matin parce que tu étends ta main dans ma vie, la main de la puissance, la main de la sécurité, la main de la grandeur. Commence à élever la voix. Commence à hausser la voix ce matin. Mon frère, ma soeur, élève la voix là où tu te trouves. Élève la voix là où tu te trouves. Quand tu sens que tu es menacé par le sommeil, mais bien-aimé dans le Seigneur, va mettre de l'eau au visage et tu reviens encore pour prier. Alléluia, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de chercher l'Éternel. Parce que la Bible déclare, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, tandis qu'il est prêt. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons prier, nous allons glorifier ce Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu compatissant, le Dieu inégalable. Nous allons prier le Seigneur. Élève ta voix ce matin, élève ta voix ce matin. Père éternel, je te bénis ce matin parce que tu m'étends la main de la sécurité dans ma vie. Tu étends ta main dans la sécurité divine pour ma famille. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je viens te louer ce matin. Je viens t'exalter ce matin. Je viens te rendre gloire ce matin. Louange, célébration à ton nom. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci, tendre Père, de ce que tu as voulu, Seigneur, que je puisse, Seigneur, entendre le son de ta voix ce matin, avant de commencer ma journée, Seigneur, et que je puisse, Seigneur, de gloire, Père, écouter réellement, Seigneur, le son de ta voix. Quand tu me dis, Seigneur, de gloire, Père, c'est lui, Seigneur, de qui marche dans l'intégrité, marche avec assurance. Oui, Seigneur, je te bénis ce matin. Oui, Seigneur, je te loue ce matin parce que tu étends la main. Oh, Dieu, tu m'étends ta main, Seigneur, la main de la sécurité divine. Ta main, Seigneur, de gloire, Père, de ta sécurité pour ma famille. Au nom de Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, oh Dieu de gloire, que ton nom soit béni de maintenant et à jamais, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. La Bible déclare dans ce passage de Proverbes 10 au verset 9, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Alors mes frères et sœurs, regardons mes bien-aimés dans le Seigneur. À chaque fois nous tombons tantôt d'une manière, d'une autre, dans notre parole, dans notre regard, dans notre entendement. Peut-être j'ai entendu quelque chose, mais ça m'a pas plu et je suis affecté et je garde maintenant des rancunes, je garde maintenant la haine. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons abandonner les péchés. Tu dois abandonner le péché ce matin. Tu vas dire, mon Père, j'abandonne mes péchés entre tes mains, j'abandonne mes péchés au pied de ta croix, j'abandonne le mal, j'abandonne, frères et sœurs. Tu dois maintenant abandonner. Tu vas demander pardon en abandonnant le mal, abandonnant le péché au nom de Jésus. Tu vas simplement dire, mon Père, je viens abandonner tout péché dans ma vie devant ton trône. Je viens abandonner tout le mal. Je viens abandonner toute chaque transgression auprès de ta croix ce matin. Je viens abandonner le mal. Oh, pardonne-moi ce matin. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour que Dieu puisse te pardonner, il faut que tu puisses abandonner. Abandonner le péché. Abandonner la haine. Abandonner la débauche. Abandonner le vol. Abandonner le mensonge. Mais bien aimé, c'est pour cela la Bible va dire, venez à moi. Il te dit, venez, c'est-à-dire, venez abandonner, venez laisser, venez réellement décharger le péché. Alléluia. Commence à prier ce matin. Élève ta voix ce matin. Abandonne ce péché. L'Éternel Dieu va te sécuriser. Abandonne ce mal. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas dire, je n'ai pas de péché. Si tu dis, tu n'as pas de péché, tu te séduis toi-même. Et la vérité de Dieu ne sera point en toi. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Seigneur. Tu vas dire à Dieu, mon Père, je viens abandonner le péché. Je viens abandonner le mal. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tous ont péché et sont privés de sa gloire. Nous ne voulons pas être privés de la sécurité de Dieu. Dans la gloire de Dieu, nous voyons la sécurité. Dans la gloire de Dieu, nous voyons l'assurance. Dans la gloire de Dieu, nous voyons la protection divine. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, commencez à abandonner le mal. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché ce matin. Abandonne le mal ce matin. Abandonne tout ce qui ronge ta vie. Abandonne tout ce que tu vois comme un gain. Mais devant Dieu, ce n'est pas un gain, c'est la boue. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, commence à abandonner le mal. Commence à abandonner le péché. Oui, mon Père, je viens ce matin. Moi, le premier, je viens, Seigneur, abandonner mes fautes, abandonner mes erreurs, abandonner mes lacunes, abandonner mes maladresses, abandonner, Seigneur, le Père. Oh, Dieu, le mal, le mensonge, le péché, Seigneur. Je t'en prie ce matin. Je viens abandonner, Seigneur, auprès de ta croix. Je viens abandonner, Seigneur, la haine. Je viens abandonner l'égoïsme. Je viens abandonner, Seigneur, la cupidité. Je viens abandonner la débauche. Je viens abandonner l'impudicité. Je viens abandonner, Seigneur, tout péché, Seigneur, qui fait coller à ma peau. Tout péché, Seigneur, de gloire, Père, qui peut coller, Seigneur, de gloire, dans mes pensées. Je viens abandonner cela auprès de ta croix. Auprès de ta croix ce matin. Je viens abandonner le mal. Ah, mon Père, pardonne ma maison. Pardonne mes enfants. Pardonne ma famille. Je viens abandonner, Seigneur, le mensonge. Je viens abandonner, Seigneur, oh Dieu de gloire, le péché, Seigneur de gloire, Père. Oh Dieu de gloire, je ne veux pas être un pécheur, mais ce que je veux, Seigneur, je veux être, Seigneur, quelqu'un qui est, Seigneur, intègre. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens, Seigneur de gloire, Père, abandonner le mal, abandonner tout péché ce matin, pour que je puisse vivre ta sécurité divine, pour que je obtienne, Seigneur, miséricorde, pour que j'obtienne, Seigneur, gloire, Père, faveur à tes yeux. Voilà pourquoi je t'ai dit, oh mon Père, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Tu as dit, si mon peuple est circuit, est invoqué mon nom, s'humilie et prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors je prie ce matin, je viens, je m'abandonne à toi, j'abandonne le péché, j'abandonne la haine, j'abandonne la cupidité, j'abandonne, le Seigneur, le désordre, la vie des désordres, la vie de la débauche, la vie, Seigneur, le roi Père, oh Dieu de gloire, des fautes, la vie, Seigneur, le roi Père, des calamités. Oh, je viens abandonner devant toi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Pardonne ma famille, pardonne mes enfants, pardonne ma femme, pardonne les seigneurs de ton église, pardonne ton peuple ce matin, Seigneur, par ta bonté, par ta miséricorde, car tu es là la colère, riche en bonté. Voilà pourquoi je vais profiter, Seigneur de gloire, Père, parce que tu es riche en bonté et que ta bonté parvienne à moi ce matin, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Mes bien-aimés, il nous faut le sang de l'agneau. Il nous faut le sang de l'agneau. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mes bien-aimés dans le Seigneur, hier dans l'école, alléluia, biblique, nous avons étudié réellement le pardon. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour que tu sois pardonné, il te faut le sang de l'agneau. Sans le fusion du sang, mais bien aimé, il n'y a point de pardon du péché. Hébreux 9 au verset 22, partie B. Mais bien aimé dans le Seigneur, il nous faut le sang de l'agneau. Parce que avant, mais bien aimé dans le Seigneur, il faudra faire beaucoup des efforts, beaucoup des acrobaties pour réellement que ton péché soit couvert, pour que le péché soit simplement couvert. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'accès. L'accès est accessible. L'accès est libre pour que nous puissions vivre réellement la sanctification totale. Alors ce matin, nous allons demander que le sang de l'agneau puisse pardonner, puisse nettoyer. Car Jean avait déjà montré que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean chapitre 1 au verset 29, voici l'agneau de Dieu
qui ôte le péché de ma vie, qui ôte le péché de ma maison, qui ôte le péché de mon cœur, qui ôte le péché de tout mal. Alléluia. Commencez à prier ce matin. Commencez à demander le sang de l'agneau. Commencez à demander le sang de l'agneau. Vous savez, le sang de l'agneau est aussi la sécurité de notre vie, la sécurité pour notre salut, la sécurité pour notre propriété. Alléluia. Commencez à prier ce matin. Commencez à désirer le sang de l'agneau. Tu vas dire, mon Père, je prie ce matin que tu me laves par le sang de ton Fils Jésus, afin d'obtenir la sécurité divine dans ma vie, afin que je sois propre, afin que je sois agréable, afin que je sois irrépréhensible au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Demandons le sang de l'agneau. Demandons le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est efficace. Le sang de l'agneau est capable d'enlever le mal, d'enlever les fautes là qui amènent la lourdeur dans ta vie, qui enlève, qui enlève l'intégrité dans ta vie, qui enlève le pouvoir dans ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, je t'en prie ce matin, et que le sang de l'agneau, et que le sang de l'agneau puisse te couvrir ce matin. Commence à prier ce matin. Demandez le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du quoi? À cause du sang précieux de Jésus de Nazareth. Ah, ce matin, mes bien aimés, le sang de l'agneau parle mieux à ta faveur. Alors parle à Dieu ce matin. Mon Père, alors que je viens devant la porte du matin, je prie ce matin, Seigneur, que je sois nettoyé, lavé par le sang de l'agneau, et que je sois purifié, et que je sois lavé ce matin, sans l'effusion du sang. Il n'y a point de pardon du péché. Ah, lave-moi ce matin, lave ma famille ce matin, lave mon cœur ce matin, lave mon environnement ce matin, lave mon cœur ce matin, et que je sois dans la sécurité divine, et que je puisse obtenir, Seigneur, miséricorde, et que je sois, Seigneur, de ma paix, protégé. Ah, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau nettoie mon corps, nettoie, le sang de l'agneau nettoie mes pensées, le sang de l'agneau nettoie à l'intérieur de moi, et que au-dedans de moi qui est réellement le sang de Christ qui est en train de parler. Oh, que je suis justifié, que je suis restauré, que je suis protégé, que je suis nettoyé, que je suis sain et sauf. Ah, le sang de l'agneau ce matin, le sang de l'agneau ce matin parle à mes yeux, parle à mes oreilles, parle au-dedans de mon cœur, parle dans mes pensées, dans mes entrailles. Oh, le sang de l'agneau, le sang capable, oh, qui ôte le péché, qui enlève l'abomination, qui enlève, oh, la condamnation. Je prie ce matin que le sang de l'agneau me nettoie, nettoie mon corps, nettoie mon esprit, nettoie mes membres, nettoie ma maison, nettoie ma démarche, nettoie ma journée, et que le sang de l'agneau me nettoie corps et âme, esprit, et que je sois libre, et que je sois capable de toute bonne œuvre dans le nom de Jésus. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus ce matin, le sang de Jésus dans mon cœur, le sang de Jésus dans ma vie ce matin, me nettoie corps et âme, esprit, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sois dans la gratitude de remercier le Seigneur pour le pardon du péché et pour le la sanctification dans ton corps, la sanctification du sang de l'agneau qui te justifie ce matin afin d'obtenir miséricorde, afin que tu puisses être dans la sécurité divine. Commence à élever la voix. Élève ta voix ce matin en disant, Éternel des armées, je te bénis pour le pardon du péché. Je te bénis pour la sanctification de mon cœur, parce que le sang de l'agneau a parlé dans ma vie, parce que le sang de l'agneau parle à ma faveur. Commence à élever ta voix. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à bénir le nom du Tout-Puissant. Commence à rendre gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, mon Père, je viens ce matin, Seigneur, pour te dire, il n'y a que toi qui peux me pardonner mieux. Il n'y a que toi qui peux me nettoyer par le sang de ton Fils Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a d'autres personnes. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que toi, Seigneur. Voilà pourquoi je viens te dire merci. Un grand merci pour le nettoyage. Un grand merci pour le pardon de mon cœur. Un grand merci pour la sanctification de mon âme. Un grand merci parce que tu m'as régénéré ce matin. Béni soit ton nom ce matin pour le pardon du péché et pour la sanctification de mon cœur. Que ton nom soit béni ce matin au nom de Jésus. Amen, 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 amen.
Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, tu vas maintenant demander à Dieu ce matin. Demande à Dieu ce matin. Oh, tu vas dire, mon Père, mon Père. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Mais voici devant ta présence. Mais voici devant ta présence. Ah, je prie ce matin que tu me donnes la sécurité. Que tu me donnes la sécurité divine. Ah, oh, donne-moi la sécurité. Oh, c'est-à-dire, couvre-moi par ta sécurité divine. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Mais voici devant toi ce matin. Couvre-moi par ta sécurité divine. Couvre mes enfants par ta sécurité divine. Au nom puissant de Jésus. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il travaille. Travaille en vain. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas demander la sécurité divine à Dieu. Car l'Éternel Dieu veut te donner sa sécurité. Car l'Éternel Dieu veut te donner la sécurité. Parce qu'il t'a déjà nettoyé. Il t'a déjà lavé par le sang de Christ. Alors ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Il s'agit donc de ta vie. Il s'agit donc de ta journée. Il s'agit donc de ta famille. Et que tu parles à Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Oui, mon Père, me voici ce matin. Me voici devant tes pieds. Me voici devant ton trône. Je viens, Seigneur de gloire, Père. Couvre-moi, Seigneur, par ta sécurité divine. Couvre ma famille. Couvre mes enfants ce matin. Je t'en demande, Seigneur de gloire, que tu puisses, Seigneur, mais donner la sécurité, Seigneur. Ah, oh, je te prie ce matin, envoie la Seigneur de gloire, Père, la robe de l'assurance, la robe de la sécurité dans ma maison, la robe de la sécurité dans mon corps, la robe de la sécurité dans ma vie. Ah, oh, je t'en prie ce matin, la sécurité divine soit le partage de ma vie, dans le nom de Jésus. Oui, tant de paix, je t'en prie ce matin, je t'en prie ce matin, Seigneur. Ramène, Seigneur, la couverture de la sécurité, ramène la couverture de la sécurité divine pour ma santé, pour ma vie, pour mon foyer. Ah, je t'en prie, Seigneur, et que ma journée subisse, Seigneur de gloire, la prolongation, Seigneur, de la sécurité divine, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ah, tendre Père, je t'en prie ce matin, je t'en prie ce matin. Oh, je veux la prolongation, Seigneur de gloire, de la sécurité divine dans cette journée, pour ma famille, Seigneur, et que je sois, Seigneur de gloire, couvert, Seigneur de gloire, dans la robe, Seigneur, de la sécurité, au nom puissant de Christ et Jésus, de maintenant et à jamais. Oui, tant de paix, mais voici ce matin, Seigneur, oh Dieu, et que tout ce que je dois entreprendre, tout ce que je dois effectuer, Seigneur, et que je sois couvert, et que je sois protégé par la sécurité divine, par la sécurité d'en haut. Ah, mon Père, je t'en prie ce matin, manifeste-toi ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à prier. Tu vas demander à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, la sécurité divine, la sécurité d'en haut. La sécurité d'en haut soit le partage de ta vie. Alors tu vas dire à Dieu, mon Père, je te prie ce matin et que les anges de la sécurité divine soient, alléluia, dans mon escorte ce matin. On puisse m'escorter ce matin, dans cette journée, dans ma maison, dans tout ce que je dois entreprendre. Commence à prier, commence à demander, alléluia, les anges de la protection, les anges de la protection divine, qui puisse t'escorter dans cette journée, qui puisse surveiller ta vie, puisse surveiller ton foyer, ta famille, tes enfants, tout ce que tu vas entreprendre. Commence à prier ce matin. Oh mon Père, je t'en prie ce matin, je t'en prie ce matin, Seigneur. Ce que je veux, Seigneur, que les anges de la sécurité, les anges, Seigneur, qui campent tout autour de nous, afin de nous sécuriser, afin de nous protéger contre le mal. Oh, je t'en prie, Seigneur, sois le pape dans cette journée et qui puisse nous escorter ce matin. Oh, Père, renforce ce matin la sécurité divine. Renforce ce matin, Seigneur, dans mon parcours. Renforce ce matin, Seigneur, dans mon pèlerinage. Oh, Dieu de gloire, les anges de la sécurité, les anges gardes, protecteurs, dans le nom de Jésus. Oh, Père éternel, je t'en prie ce matin, je t'en prie ce matin, mon
mon Père. Je prie ce matin, Seigneur, que ma famille, que mes enfants, que mon foyer, que ma femme, Seigneur, que ton peuple, Seigneur, soit dans la protection et la sécurité divine. Et que les anges d'en haut puissent descendre et camper tout autour de nous. Ah, mon Père, je t'en prie, Seigneur, que l'escorte, Seigneur, de gloire, Père, soit l'escorte d'en haut, la sécurité d'en haut, dans chaque domaine de nos vies, de maintenant et à jamais. Ô ton Père, je t'en prie ce matin, et que les anges de la protection divine nous soient escortés ce matin, nous soient accordés ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mon Père, je t'en prie ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ah, Père éternel, que ta faveur, Seigneur, coule à nous ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel soit. Alléluia, ramène l'abri, l'abri dans ta vie, dans ton foyer. Ah, tu vas dire, mon Père, sois mon abri sûr, sois mon abri pour l'avancée de ma croissance, sois mon abri pour la protection de mes enfants, sois mon abri ce matin, mon Père, et que Dieu soit, en d'autres termes, le parapluie de ta vie. Ah, oh, l'imperméable de ta vie, au nom puissant de Jésus. Comment à dire à Dieu, commence à parler à Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, alléluia, c'est la sécurité de Dieu qui est réellement important dans la vie de l'homme. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui vont travailler, ceux qui vont bâtir en vain, vont travailler en vain, alléluia, voilà pourquoi tu vas demander l'imperméable de Dieu, ah, le parapluie de la protection divine dans ta vie ce matin, au nom de Jésus. Ah, mon Père, je te prie ce matin, Seigneur, Éternel Dieu, dans notre marche, dans notre conduite de cette journée, et que nous soyons protégés, Seigneur, par le parapluie, Seigneur céleste, par le parapluie divin, au nom de Jésus, et que le perméable, Seigneur de gloire, Père céleste, nous soit donné dans cette journée, dans le nom de Jésus. Mon Père, je prie ce matin, Seigneur, et que nos habits, et que nos vêtements, et que notre corps, et que notre santé, et que notre vie soit couverte par le parapluie céleste, par le parapluie d'en haut, dans le nom de Jésus. Mon Père, je te prie ce matin, Seigneur, et que nous soyons, Seigneur de gloire, couverts par l'imperméable, Seigneur de gloire, Père, qui empêche, Seigneur de gloire, Père, le mal, qui empêche, Seigneur, les calamités, qui empêche, Seigneur de gloire, Père, les accidents dans nos vies, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, ce matin, mon Père, je prie ce matin, Seigneur, que le parapluie céleste nous soit accordé, Seigneur, dans le nom de Jésus, durant toute la journée, durant notre vie, au nom puissant de Christ Jésus, de maintenant et à jamais. Tendre Père, je t'en prie ce matin. Je t'en prie ce matin, je veux ce matin, Seigneur, que je sois protégé, Seigneur, que je sois protégé contre, Seigneur, les calamités, contre le vent et les marées, Seigneur, contre les flèches qui volent en plein jour, dans le nom puissant de Christ et Jésus, et que je sois inaperçu au mal, au danger, dans le nom de Jésus. Ah, tendre Père, je t'en prie ce matin. Alors, mon frère, ma soeur, tu vas encore élever ta voix, tu vas encore demander à Dieu que tu sois invisible, alléluia, aux attaques démoniaques et satanique, et que tu sois invisible ce matin, et que ta famille, et que ta santé, et que ta vie soit invisible aux attaques démoniaques et sataniques. Commence à prier à Dieu, commence à parler à Dieu, et que ta vie soit invisible aux attaques démoniaques et sataniques, dans le nom de Jésus-Christ, et que tout complot qui était planté pendant la nuit, et que cela soit déraciné, dans le nom de Jésus-Christ. Rabababacharé ça. Ah, tendre Père, je t'en prie ce matin, je t'en prie ce matin, Seigneur, ah, que je sois invisible et que mes enfants soient invisibles ce matin aux attaques démoniaques et sataniques, au nom puissant de Jésus, dans cette journée, Seigneur, miraculeuse, dans cette journée glorieuse, Seigneur, qui commence, Seigneur, et que je sois, oh Dieu, alléluia, invisible dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, mon foyer soit invisible, ma famille soit invisible, mes enfants soient invisibles au nom puissant de Jésus, ma femme soit invisible, Seigneur, aux attaques démoniaques et sataniques, au nom puissant de Christ et Jésus, de maintenant et à jamais. Alléluia.
au nom de Jésus. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, nous passons dans la prière de... dans la prière du traitement ce matin. Tu vas simplement dire, mon Père, je t'en prie ce matin et que Dieu puisse envoyer la pluie de la sécurité. Mais bien aimé dans le Seigneur, d'autres pluies, quand ça tombe, c'est pour te préserver du mal. Alléluia. Il y avait un homme de Dieu qui voulait aller prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Pendant qu'ils allaient, ils commençaient à aller. Dans sa maison, il y a eu réellement l'incendie. Le feu commençait à brûler chaque maison, saccager la maison. Mais la pluie du ciel est tombée. Alléluia. Pour anéantir réellement l'incendie. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que je vous dis ce matin, nous allons demander la pluie de la sécurité de Dieu, la pluie qui va éteindre l'incendie démoniaque et satanique. Commencez à prier ce matin, dans la prière de traitement, et que tu demandes la pluie de Dieu, la pluie de la sécurité de Dieu. Dans le nom de Jésus, commence à prier ce matin. Oui, mon Père, je te prie ce matin, Seigneur, et que ta pluie, Seigneur, oh Dieu, puisse tomber. La pluie, Seigneur, qui empêche, oh, les incendies. La pluie qui empêche, oh, la mort. La pluie qui empêche, Seigneur, les accidents. Puisse tomber dans cette journée. Puisse arrêter, Seigneur de ma Père, les incendies. Oh, puisse arrêter, Seigneur de ma Père, la mort. Puisse arrêter, Seigneur de ma Père, les mauvaises nouvelles. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, que ta pluie tombe, que ta pluie de la sécurité, la pluie qui enlève la mort, la pluie qui enlève le pleur, dans le nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Tendre Père, me voici devant toi ce matin. Ma prière est que, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, sous ton ombre à l'abri du Très-Haut. La Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Père éternel, je t'en prie ce matin, que tes enfants soient gardés, préservés précieusement, Seigneur. Car ce sont, Seigneur, de gloire, tes enfants à toi. Car ce sont, Seigneur, la pluie de ton œil. Éternel Dieu de gloire, sécurise leur journée, Seigneur. Et que la sécurité divine soit le partage de tout un chacun, Seigneur de gloire, ici présent. Et de ceux-là qui vont écouter, Seigneur, cette prière au Dieu de gloire indifférée. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Ah, tendre Père, je libère, Seigneur, ta grâce. Libère l'onction de la sécurité dans la vie de ton peuple et que dans cette journée, Seigneur, qui marche avec assurance, qui marche avec sécurité divine, au nom puissant de Jésus, soyez bénis maintenant, soyez bénis maintenant, soyez bénis dès à présent, dans le nom puissant de Jésus, et que l'Éternel Dieu puisse couvrir votre vie, et que l'Éternel puisse protéger vos champs, et que l'Éternel puisse protéger, alléluia, vos vies, vos enfants, vos familles dans le nom de Jésus. Soyez bénis maintenant. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Et dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Et que cette journée, vous puissiez passer une bonne journée, une excellente journée dans le nom de Jésus. Et que le feu de la protection soit aussi votre partage dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse encore vous couvrir, vous protéger entre ses ailes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors avant de quitter, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, par l'amour du Seigneur, par la grâce du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la foi dans tout ce que nous faisons. S'il vous plaît, ne quittez pas ainsi. Commencez à aimer la vidéo. Vous êtes au nombre de 688. Si vous pouvez vraiment faire des signatures, des j'aime de 688, ça sera glorieux. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ne partez pas ainsi. Mets ton empreinte. Mets ton empreinte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur veille sur vos vies et que l'Éternel réveille sur votre santé même, que le Seigneur puisse veiller à votre corps, que le Seigneur puisse veiller à votre vie quotidienne au nom puissant de Christ Jésus. Soyez bénis. Avant de quitter, mes bien-aimés, aimez la vidéo, s'il vous plaît, et partagez-en. Alléluia. Et si vous êtes là pour la toute première fois, je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le jeudi aujourd'hui et nous aurons la pépéresse à midi avec la prophétesse. Amen. Et le
Demain, nous serons à l'église à partir de 18h. Amen. Pour notre prière d'intercession et d'enseignement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. N'oubliez pas, le dimanche, nous aurons un invité qui viendra aussi nous nourrir par la parole de Christ. Amen. Soyez là. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez bénis. Amen. Ah, une excellente journée glorieuse. Soyez bénis et à très bientôt. Shalom. La terre et l'obscurité, les peuples, mais sur nous, ta lumière apparaît, mais sur nous, ta gloire apparaît. Je suis éclairé par le soleil levant. Sois éclairé, car la lumière de Christ arrive sur toi. Mon ami, lève la tête. Le soleil levant, le soleil de la justice. Je suis éclairé. Il est là. Par la colonne de feu. Moi, je suis éclairé. Yes. Par la colonne de nuée. Sois éclairé. Je ferai des exploits avec Dieu. Je ferai des exploits. Je ferai des exploits avec Dieu. Je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Oui, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse. Bien que l'impact et les missions de la Tour de Prière Semeur ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions.
une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification.